Bonjour, voici une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser très simplement vos propres bâtons de fumigation naturels. Alors ici pour la démonstration j'utilise de la sauge et du romarin frais. Pour commencer, essayez de faire un petit fagot plus ou moins uniforme, vous tracassez pas, vous n'aurez quand même pas la perfection. C'est du fait maison, c'est ce qui compte. Alors commencez par nouer très fermement une extrémité de votre fagot, préférez un fil de coton, de couture ou de cuisine. Et ensuite, on va un petit peu ligoter ce fagot en serrant bien. Alors serrez bien, mais attention de ne pas casser votre fil. On remonte. Une fois qu'on est arrivé tout en haut de notre fagot, eh bien, on fait le chemin inverse. On va retrouver notre nœud initial. Et on va bien serrer le tout. Alors, ça demande une certaine dextérité. Je m'énerve très souvent à cette étape-là pour ne rien vous cacher. Mais voilà. Essayez aussi de laisser une petite boucle pour ensuite les suspendre afin de les faire sécher. Personnellement, je fais toujours sécher mes bâtons 2 semaines avant de les utiliser. Vous pouvez également couper les extrémités.